Qui dit Diwali dit succulent gâteau. La préparation de la fête de la lumière s'annonce haut en couleur. Pour Bhushan, la vente de gâteaux s'est faite avec succès. Oui, tout Diwali, c'est une fête nationale que tout le monde célèbre et chaque communauté aussi, chacun gagne un gâteau des autres côtés. Diwali peut passer très bien et comme on connaît, Diwali c'est une fête du portage et principalement contre nous, ce qui plus à laisser gâteau. Et quand on dit gâteau, c'est où gagne une variété gâteau. Et là, comment on peut trouver, nous faire un peu de gâteau à base de cashew-nut. Bien qu'il faudra se réveiller tôt, Orvin se sent d'avance festif. Bon, Diwali, c'est nous célébrer une semaine avant, nous commençons à faire plus ou moins un mois avant. Nous lever, nous faire la prière, nous commençons à préparer, puis gâteau, à la famille, tout ensemble. Et voilà, nous cuisons plusieurs gâteaux. Pour Kaushik, la célébration de la fête Diwali ne sera pas en rendez-vous. La tradition, tous les ans. Chez moi, par exemple, on n'achète pas les gâteaux, les sweets. Ça se fait chez moi-même, c'est préparé par ma mère. Et c'est un peu un jour spécial dans la mesure où on fait que des mets végétariens. Pour Anjeni, tout débutera par le son des cloches du Covid. Pour les Diwali, on se lève tôt le matin, prière, Covid, et ensuite on fait partage des gâteaux avec les voisins, les amis, les connaissances. Et l'après-midi, on fait dîner en famille. Le partage de gâteaux s'annonce favorable pour ces Mauriciens. Après les prières, place à la distribution des gâteaux et ce soir, les diyas brilleront de mille feux.